Malgré ça, les Congolais n'ont rien compris jusqu'aujourd'hui. Vous me faites vraiment de la peine. De la peine. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas que bon nombre de gens viennent vous embrouiller. Bon nombre de gens sont là à vous divertir. Est-ce que moi, monsieur Nitu, j'ai déjà appelé Sassou Nguesso par Papa Mokonzi? Est-ce que moi, monsieur Nitu, j'appelle Sassou Nguesso par monsieur le président? Malgré ça, on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui appellent Sassou Nguesso Papa Mokonzi. Oh, monsieur le président, son excellence. Même là, vous ne comprenez rien. On vous mène en bateau. Moi, je vous avais promis. Je suis quelqu'un qui parle avec des preuves. Je vous avais promis, ne vous en faites pas. Préparez vos doliprane. Préparez les sopalins, les suies, tous les mouchoirs. Vous allez apprendre de ces choses-là, vous allez avoir mal au cœur. La poste de Brazzaville, est-ce que vous savez que ce n'est plus la propriété de l'État congolais? Est-ce que vous savez que la poste a été rachetée par Sassou Nguesso et son clan? Que la poste a été privatisée? Et ceux qui ont privatisé la poste, c'est Sassou Nguesso et son clan, ils ont encore racheté les parts de la poste, donc la poste n'est plus cette fameuse propriété du peuple congolais, de l'État congolais. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que les stations d'essence Puma, propriété d'Antoinette, est-ce que vous savez que Antoinette a même des compagnies d'aviation? Est-ce que vous savez que toutes les compagnies de pétrole, toutes les compagnies de pétrole en République du Congo, ce sont les entreprises de Sassou? L'entreprise de Denis Ngokana, c'est Sassou Nguesso qui est le président, qui est le patron. L'entreprise de Lucien Ebata, c'est Sassou Nguesso qui est le président, qui est le patron. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le Congo a été privatisé? Est-ce que vous savez que l'avion Air France, chaque billet, je l'avais dit une fois, chaque billet d'avion vendu, que les dignitaires de Sassou Nguesso touchent des dividendes sur chaque billet d'avion vendu de Air France? Est-ce que vous le savez? Vous payez des billets, 1800 euros. Moi aussi, je n'avais payé. C'était en quelle année là? En 2012. Puisque je devais me rendre à Brazzaville, toute urgence. Les billets étaient à 1600 euros, 1800 euros. J'avais voulu en savoir. Mais aujourd'hui, j'avais eu confirmation depuis longtemps, mais j'ai reçu encore des documents qui vont encore dans le même sens. Chaque billet d'avion vendu de Air France, je dis bien de Air France, je le dis ici en France, je ne parle pas ça dans un autre pays, je suis en France, je parle de cette compagnie, Air France, qui n'est pas non plus aussi la propriété de l'État français, que bon nombre de gens aussi ne savent pas. La compagnie Air France, c'est une compagnie privée. Privée. Où il y a des actionnaires qui ont plus d'actions. L'État français ne détient qu'une fine minorité d'actions. Compagnie privée. Air France. Tout comme Total. Compagnie privée aussi. Mais chaque billet que vous achetez, que nous achetons chez Air France, les dignitaires de Brazzaville touche des dividendes sur chaque billet de Air France vendu. C'est pour cela que les billets de Air France coûtent excessivement cher. Coûtent excessivement cher. Chers compatriotes, peuple congolais, vous savez, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Tant que tu ne te battras pas pour ton pays, la lutte, oui, l'équipe a lutte, nous sommes tous à Mokili. Ezande Mabele. Ezande Mabele. Nous sommes ici en France. Vous ne voyez pas? Israël et la Palestine. Et pourtant, j'en parle régulièrement. J'en parle souvent. Mais là, l'actualité est encore là. L'actualité est encore là. L'Israël, Palestine, Bazo Bundelanin. Bazo Bundelanin. Bazo Bundelama Belete. Ezali Kamama Belete.
Israël et la Palestine, c'est quoi? Le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est pas l'histoire de terre? Et vous les Congolais, on a pris vos terres. On donne aux Rwandais. Les Rwandais sont déjà arrivés en masse. Combien de Congolais sont en train de réagir?